Cucu, mes petits culs, et bienvenue pour un nouvel épisode des enfants slash ados parfaits. Ah oui, c'est vrai, mais j'avais zappé. Il est encore debout, mais de toute façon, il a que ça à faire, hein, vu que c'est un vampire maintenant. Donc, il a la live devant lui. Tu sais que tu peux chercher des informations sur les vampires. On va te faire un peu travailler. Oh oh! Oh oh! Qu'est-ce que tu viens me faire, toi? Tu vas te laver. Va prendre une douche. Ah, ben, waxa! 4h du matin. Après, t'iras te recoucher, hein, cocotte. Elle s'est réveillée tellement elle pue. Elle s'est dit: ouh, punaise, je schlingue des aisselles. Et alors, remarquez, c'est bien, hein, vaut mieux se réveiller et se dire: bon, pue que jamais s'en rendre compte, hein, j'ai envie de dire. Bon, et voilà. Il a épuisé toutes les. Truc en ligne. Ok, t'avais pas un bouquin d'ailleurs? Si, tiens, tu vas lire. Tu vas te dépêcher! Tu vas gagner des points. 9 points quand même. Hein. Allez, lis un petit peu. Ça te fera gagner du temps. Voilà la création des plaques de plasma. Avec des poissons ou des grenouilles. Ben maintenant, c'est bon, on a accès aux deux. Alors, Louise. Louise a envie d'un grand pipi. Donc, ben, c'est bien, tu pourras y aller. Est-ce que toi... non. Compétence 2 sur 3. Ouais, et ben, tu vas préparer le petit-déj. Salade de fruits. Ouais, tu vas aller bouffer, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Voilà. Ça, tu vas nous faire un petit petit déj. Je pense que c'est ce que... Ouais, on va avoir le troisième point. Nickel. Et voilà. Comme ça, on s'assure qu'elle aura une bonne note plus tard. Bon, les cours de tout le monde dans moins d'une heure. John, je voulais te faire gagner tes 100 000 abos. Voilà, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Lui, il joue. Toi, tu te peux finir, s'il te plaît, ta salade de fruits, là, au lieu de mettre 3 heures. Arrête et travaille. Bon, bah, tant pis, lui, il va manger. Hein. À un moment donné, mais je peux pas faire 15 000 trucs. Lui, il fait de la guitare. Mais ça va, hein? Attendez. Guitare, compétence 1. Attends. Alors, il a obtenu 15 abonnés. Bah, finalement, c'est pas des masses. Toi, est-ce que tu as tes 3 points? Non. Alors, en physiologie, en danse. Ah, oh, tu vas aller danser un petit peu alors. Vas-y, va danser. Et après, tu manges. Non, mais pas la table, juste danser. C'est bon, après, tu pourras aller manger aussi. Et aux toilettes. Les filles qui restent, toi, tu vas pouvoir te lever, aller manger. Ouh là là, toi, tu vas aller aux toilettes et tu vas prendre une douche. Non, pas une douche, c'est manger. Ah là, ça y est, je fais nawak, moi, ça... Et Aurélie, est-ce que toi, on t'avait... Oui, c'est bon. Oui, bah, c'est bon. Tu peux te divertir, tu vas regarder la télévision. Oups. Qu'est-ce que... Ah, voilà, va bouffer. Et lui, nettoie. John, tu vas refaire un truc sur ton réseau social. Tu vas publier un statut, dépêche-toi. Sinon, ta fille, elle pourra pas aller à la douche comme je lui ai demandé. Ah bah non, bah c'était pas fou. Toi! Oh là là. Ah non, c'est pas ça. Mais t'iras en cours quand même. Bon, mais mange pas. Tu pars quand même en cours. Bon, j'ai dû en louper un ou deux dans au passage. Fais voir toi. Et puis il a déjà A lui, donc c'est nickel. Elle a déjà A aussi. Lui, ok. Lui. C'est bon, ça devrait être bon. Elle, ça devrait être bon. Là, ça devrait être nickel. Non, elle a pas eu. Zut, je lui manque. Un
un point de compétence en écriture. Ok. Si tu peux écrire, s'il te plaît, rapidement, écris dans ton journal intime. Vas-y, arrête de manger. Et Aurélie? Ok, c'est bon. Oui, hop, tu peux y aller. Ça y est, il a eu 10 000 abonnés. On a gagné les 100 000 abonnés. John is the best. Il va avoir une belle promotion quand il reprendra le boulot. C'est bien, tu sais ce que tu vas faire, John, aujourd'hui, pendant que les enfants seront partis à l'école. On va aller voir Lilith et tes filles. En attendant, on va attendre que tout le monde. Eh ben, tout le monde aille en cours, se faire des amis. Se faire des amis. Se faire des amis. Toi aussi. Voilà. Va en cours, toi. Ouais, hop, compétence 3, va en cours. Allez, Zou. C'est la foire, là. Tout le monde, tout le monde, tout le monde à l'école. Dépêche-toi. Hop. Hop. Et hop. Alors, John, on est bien. On a la maison pour nous tout seul. Hop, on éteint. De toute façon, tu travailles pas aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Non, on va bouger notre cul comme on l'a dit. Et on se retrouve chez Lilith. Oh, 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 oh. Ah bah voilà. Un bon petit Oh, vomito pour nous accueillir. Benazouk, Eh ben, Lilith est bel et bien encore enceinte, hein. Ça, c'est cool. Parce qu'on ne le savait pas. On ne savait pas. On n'avait pas l'occasion de la voir. En espérant que ce soit un garçon. Ben ouais. Et regardez! La petite Marina, il me semble. Oui. Elle va aller voir son papa. Papa! Oh la vache. Je t'ai pas rencontré, Hélène. Aurélie a rencontré Pinus. Et Nicolas a rencontré Saya. Ok! En tout cas, on croise les doigts, hein, que ce soit un petit gars. Hey, tu peux la manger, celle-là. Mince. Oh, je vais y arriver. Vampire, boire du plasma, une grande quantité. Vas-y, arrête. Tu vas t'occuper de tout ça. Après, tu vas aller manger avant. Voilà. Voilà. C'est le jour de la moule. Eh ben, c'est bien ça. Eh ben, ils se régalent, le John. Alors, nous étions avec les petites. Ah, elle fait des conneries. En tout cas, les yeux de son papa. À l'autre, elle doit être à l'école. Bah oui. Oh, c'est dommage. J'aurais bien été visiter. Caleb est là. Le petit berceau. Très bien, très bien. Bah écoutez, c'est bien. Les petites décorations qui vont bien aussi. Oh, je suis trop chouchou. Ah, nickel. Enlacé tendrement. Tu vas jouer avec la petite un peu quand même. Hey la 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 bi. Voilà, il est bons amis avec sa petite fille, donc c'est cool. Et hop là! C'est tellement chou ça. Elle a de la chance, hein, parce que sa sœur, elle n'a pas eu autant de considération par son papa. On n'a pas eu le temps d'aller voir son papa. Enfin, d'avoir. Rita Mousti!
C'est trop chou. Je vais les faire un peu se discuter un peu parce que je pense que si elle a refusé sa demande en mariage la dernière fois, c'est parce qu'ils se connaissent pas des masses non plus. Ils sont pas à fond quoi. Demander de regarder Rasmé. Mais... Pas longue quand même. Mais tu pouvais discuter, voilà. Discuter des centres d'intérêt, théorie des couleurs. Ça va monter, ça ne peut que monter, donner des astuces de cuisine. Je pense qu'elles s'en foutent de tes astuces de cuisine, mais vont complimenter la tenue, voilà, c'est... Connexion profonde, donc... Ils ont plein de connaissances, les enfants, c'est bien. On déclare un amour internel. Ça monte. On va pouvoir la redemander en mariage. Exprimer son affection. Discuter des derniers jeux. Avec Nicolas Richard. Oui, c'est mon fils. Heureusement que je m'entende bien avec mon fils. Hein. Une histoire dramatique. Ah, discuter de son intérêt. Est-ce qu'on connaît tous ses traits, d'ailleurs? Oui. Ça. Mère au foyer. Bah oui. Bon, ça monte. Tant mieux, parce que va falloir passer aux choses sérieuses après. Bon. Pour changer, il pleut, hein. Et la petite, elle reste sous la flotte. Oh, la dégueulasse. La dégueulasse. Bon, j'essaie de monter au max, et puis on va passer aux choses sérieuses. On n'est pas encore au max de l'amitié. Propose un massage. Concentration profonde. Devenir meilleurs amis. Proposer une sauce trop sexy. Oui, deviennent meilleurs amis. C'est super. Conversation profonde, ça a un peu augmenté. On n'y est pas encore. Hein. John et Philippe se sont perdus de vue, ne sont plus amis. Eh ben, c'est sympa. Embrasser. Encore une blague sur le bon vieux temps. Blague perso. Allez. John, s'il te plaît, tes enfants vont rentrer. Allez. On va tenter, c'est pas grave, va te demander un mariage. Allez. Attention. Elle veut bien. Oui. Voilà, ça c'est bien ça. Elle a enfin accepté. Et nous avons un A, nous avons un B. Nous avons un A, A, et B. Ok, c'est pas cool. On va rentrer. Allez-y, on rentre à la maison, on est fiancés, tout va bien, on est super contents. Voilà la petite Cécile. Bon, on est à la maison, on ne s'est pas encore fait sauter dessus par les gosses, donc c'est très bien. Oh là, on est à la queue leu-leu pour le pissomètre. Pipi room, tu vas le mettre dans l'inventaire. Tu vas ranger ça, tu vas nettoyer, bref, tu vas faire ta petite vie, John. Alors, qui c'est qui a eu un B, là? C'est Nicolas. Je suis pas contente, hein, Nico. Oui, il reste 4 jours encore, ça va. Il va pouvoir se valider, son petit B. Bon, ben, je laisse manger. Toi, t'es fatigué. Depuis quand? Toi? Hop. Tu vas prendre une douche aussi, après. Et boum! Allez! Mais de où tu vas dans cette salle de bain-là, toi?
Allez, prends ta douche, tu me saoules. Oh là 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 là. Toi, tu vas manger, tu vas pisser. Aurélie, tu te divertis. Qu'est-ce que tu veux faire? Faire une sieste? Non, tu vas manger un truc. Toi aussi, tu vas manger un truc. Et puis après, vous allez faire vos devoirs, hein. C'est pas tout ça, mais au bout d'un moment, va falloir qu'on gère tout ça. John, des toilettes à nettoyer. Ah non, j'ai cru. C'est juste qu'ils ont pas la même. Ouais, c'est pas les mêmes toilettes, c'est pour ça que j'ai confondu. Excusez-moi, j'ai confondu. Séance de voir pour tout le monde. John a reçu 1200 abonnés. Alors, presque pour tout le monde, hein. Il y en a qui sont. Mais Nico, Nicolas, je t'avais demandé de faire tes devoirs aussi. Je sais que t'es fatigué, mais fallait dormir cette nuit, hein. Je sais pas ce que t'as fait, mais. Allez, allez, allez. Plus vite que ça. Ils sont tous claqués, je comprends pas trop. Ah, il a cassé le PC, lui. Bah, c'est bien, tu vas les réparer maintenant. Nicolas. Il veut pas faire ses devoirs. Il est beaucoup trop mal à l'aise. Oh, tu casses les pieds. Hein. Allez, fais une sieste. Et après, promis, tu le fais, tes devoirs. Hein? C'est pas possible, ça. Compétence danse acquise, ok. Lui aussi est parti dormir. Saute d'humeur. Ah, je crois pas. Et fais tes devoirs, gars. Tiens, je te les mets là si tu veux. Ouais, voilà, ça t'as moins à faire. Tu vois, il s'est dit. Oh, bah non, finalement, ils étaient là. Lui, il répare son PC, ce qu'il a cassé. Ah non, je lui mets là, il va quand même venir ici les faire. Non, mais franchement, là, non. Il y a de l'abus, hein, les gosses. Hein, vous savez plus. Vous avez perdu du temps à faire Nawak. Ah, il y a une petite flaque là, John. Tu peux essuyer, s'il te plaît. Tu seras un amour. Merci. Devoir terminé, devoir terminé. Là, c'est des bons enfants, ça. Ils travaillent bien. Sinon, j'ai fait un tour. Et on est toujours tous dans le vert. Tout le monde est tout validé. Donc, ah, il y a ses manières à elle. Écoute-toi, tu vas nettoyer, je t'ai dit. Mais ils sont tous fatigués, mais il est même pas 20h, quoi. Voilà, tu vas aller faire la vaisselle. Ça va te faire remonter tes manières et puis tu donneras des compliments à tes frères et sœurs. Parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des compliments, moi je vous le dis. C'est gratuit et ça fait plaisir. Et pour l'instant, il n'y a personne qui est venu demander un conseil à leur père, donc je suis ravie. Toi, dès que t'es réveillé, tu fais tes devoirs, hein, t'oublies pas. Voilà. John qui s'enjaille. Lui est parti se coucher, se coucher. Bah non, après tu vas prendre une douche, hein. Ah ouais. Mais en plus, il y a une saute d'humeur. Mais moi, je veux pas qu'il ait de saute d'humeur. Je sais pas, tu peux te coucher à 21h, mais 20h, même pas 20h. Voilà, ses manières sont remontées. C'est tes devoirs qui traînent là? Mais oui, hein. Tu vas faire tes devoirs, hein, mon gars. Je te le dis, hein. Interdiction, tu te rebelles contre l'autorité de la chaîne YouTube. Non, mais dis donc. Je suis la voix. Et la voix dit que tu vas faire comme ça et point barre, quoi. Ah bah lui, va nettoyer, du coup. Qu'est-ce que tu fais, toi? Va prendre une douche. Charlotte, elle est juste fatiguée maintenant. Tu vas te divertir un peu et tu vas aller dormir. Nicolas, il a bientôt fini sa sieste. Philippe, bah il va bien. Il va danser. Bah écoute. Tu t'es diverti? Bah non, elle est fatiguée. C'est tous les ados exténués. Mais toi aussi, t'es fatigué comme ça? Mais qu'est-ce qu'on leur a fait à ces gosses? Ils vont se réveiller à 5h du matin la prochaine fois et après ils vont dire qu'ils sont fatigués aussi. Ah, il requinquait lui! Ah lui, il est requinqué, il pète la forme, il pète le feu. Et hop là. Ouais, vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Et toi, tu veux faire quoi? Oh bah lui, il va faire le ménage. Bah, tant mieux, je préfère encore faire ça que
que faire des avis, là, des conseils, qu'on perd tout et qu'on doit tout recommencer. Parce que là, je suis cool aujourd'hui, là. L'épisode, il se déroule plutôt pas mal. Aider à faire les devoirs. Ouais, vas-y, vas-y. Il est bon, ce papa. On n'a pas encore eu l'accouchement de Lilith. On sait toujours pas si c'est garçon-fille. Pour l'instant, en tout cas. Voilà. C'est bien le anniversaire de Charlotte. Charlotte la Tug va bientôt grandir. Bah ouais, mais bon, vous voyez, elle est dans 2 jours. Il y en a, c'est dans 4, donc c'est pas logique. Et faudrait que je les fasse grandir quand même tous en même temps. C'est ça, c'est logique, par contre, les enfants. Tant qu'ils sont tous à égalité avec tous leurs traits validés, moi, je suis zen. Hein. Là, franchement, c'est du petit lait. Attendez. Nicolas, la responsabilité. Oh, j'avais pas vu. Fais tes devoirs, Nicolas. Là, on va faire un focus sur toi, là. Tac. Tu fais tes devoirs. T'as compris? Regarde, on va revoir si tu les fais correctement. Hein. On va regarder. Non, mais quand même. Il n'a pas sa responsabilité. Regardez-moi ça. Ça, c'est bon. Ça, on est bien. Ben, lui, non. Les autres, on est bien. Là, on est bien. C'est bon, là, il sent. Là, on est bien. Et là, on est bien. Donc, il n'y a que Nicolas et sa responsabilité. Ils sont calmes ce soir, les gosses. Je suis ravie. John, il a vécu 67 jours. C'est un vieux, hein? Nico, on t'attend. Patiemment. Oui, nous avons repris, nous avons repris. Et on est toujours à 7 sur 7. C'est pas avec Claire Chazal ou je sais plus qui, mais on est à 7 sur 7. Du coup, tu vas pouvoir t'occuper de toi. Tu vas manger, tu vas dormir. D'accord, mon petit Nico? Toi, t'es pas fatigué, toi, t'as fait une sieste dans le bain. Je t'ai vu, hein, je t'ai vu, Aurélie. Hein. Arrête. Hein. Bon, on va la faire danser un peu si elle veut. Tant que tu demandes pas de conseils à ton père. Ah bah non, c'est encore Caleb qui nous demande de sortir. Non, mais... Moi, j'attends la naissance de mon troisième enfant vampire, hein, quand même. Peut-être qu'il en aura 7 avec Lilith, hein, qui sait. Après les 7, 6 humains, une alien, on va peut-être passer sur les 7 vampires. Ouais, mais ce sera sans moi. Hein. Je pense que je ne referai pas. Parce que c'est éreintant comme challenge. Vraiment. Vraiment éreintant. Mec à fabuleuse toile. Tu nous as fait là. Allez. 200 simflouz. On est riche grâce à toi, là, John. On est riche. Bah, vu que tu es motivé, tu vas nous faire un petit paysage. Là, c'est calme aujourd'hui dans la maison, mais c'est un pied intégral. Il pleut toujours, hein. Vous savez que moi dans mon jeu, il pleut tout le temps. Et je pense que selon le calendrier, nous sommes au jour de l'amour. Ouais. Et alors? Anniversaire de Charlotte, mais que de Charlotte. Après, on en a trois. Et après, on en a trois. Mais c'est pas logique de nous mettre lycéens parce qu'ils auront fêté leur anniversaire. Hein. Pourquoi il y a ça? Journée du jargon de pirate. Ah oui, d'accord. D'accord, très bien. Et vous voyez, ils vont bien devenir adultes au moment de l'été. C'est donc parfait. C'est même parfaitement parfait. Bon, bah, cette journée, ça sera passé vraiment sans accroc. Récupération totale des 7 ados parfaits. Et puis c'est bien, là, tout le monde est parti se coucher, donc. Il y a que John qui finit sa petite toile sur fond de musique d'ambiance d'ascenseur. Si vous voulez en profiter aussi, tranquillement, pour peut-être faire une petite sieste. Qui c'est qui est dehors là? Qui pense à des avions? C'est du gibier! Et est-ce qu'on les attaquerait pas, histoire de se faire la main? John? T'as une petite faim en plus. Allez, viens ici, mon petit. Tu vas attaquer. On va attaquer Paolo Rocca. Et on va... Non, on va pas se présenter, on va pas être sympa. Petite quantité. Pour l'instant, on n'a pas trop goûté les mâles du quartier, donc on va te goûter lui. Il est timide, il ose pas te venir te dire bonjour, t'as vu.
Et comme ça, on gagne des points. Et croque dans le cou. Ah oui, c'est bon ça, mes enfants. On en profite, c'est les derniers humains qui passent dans le coin, les derniers gibiers. Et après, ce sera un peu trop de vampires à notre goût, je pense. Ah, ouais. Ouais. Eh ben, c'était sympa de te voir. Hein. Allez, salut. Donc, qui y a d'autre dans le coin? Je pense pas qu'il y ait qui que ce soit d'autre. Je ne pense pas. Il va les nettoyer. Bah, écoutez, hein, il fait sa vie. C'est John, c'est Papa John. Moi, c'est sûrement là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. Puisque, de toute façon, les enfants sont partis se coucher. Et maintenant, on va attendre patiemment qu'ils aient aussi leur anniversaire. Donc, il ne va pas rester beaucoup de temps. On va aussi attendre la naissance du futur enfant de John. Et puis, voilà. Ça sera plutôt bien. Où est-ce que tu voulais nettoyer, toi? Il y en avait un qui était... je sais pas. Tu peux nettoyer la douche, là. Voilà. Ça te fera ta life. T'es content, mon petit chenouille. Regardez, il est content. Il aime nettoyer. Il aime ça. Allez, moi, je vous embrasse très fort. Et je vous dis donc à la prochaine pour la suite du challenge des ados parfaits. Allez, salut.